Du coup, on a une journée super aujourd'hui à Barbizon, dans mes écuries. Les personnes sont venues, il y a eu des gens qui ont gagné le droit de venir voir un peu comment on fonctionne. C'était une bonne ambiance, on leur a donné des conseils. Changement de pied à l'extérieur du chandelier, à l'intérieur du chandelier. Okay. Allez, c'est parti. Et après, le but, c'est de la régularité. Voilà, ok. Au pas. Voilà, c'est bien. Ok, c'est bien, l'idée elle est bonne, vas-y, continue. Tu vois, ok, non, voilà. Ok, c'est bien, super. Voilà, sois pas figé sur ta reine intérieure. Super. Ok, c'est bien. Ok, parfait. Et parle-lui. Je t'entends pas assez parler. Je t'entends, mais c'est pas assez fort pour un cheval qui est chaud. Parle-lui, fais-lui comprendre que t'es décontracté. Voilà. Je m'appelle Clémence Cabrol, j'ai 14 ans et je tourne sur les circuits TDA Poney. C'était super apprenant, on a vraiment découvert une façon de travailler, on voit les meilleurs mondiaux, donc c'est vraiment super agréable et de voir un peu l'envers du décor que des concours, c'est vraiment super chouette. Je pense que ça va m'apporter beaucoup de remise en question par rapport à ma monte et même dans la façon de fonctionner avec mon poney. Et oui, ça va permettre plein de nouvelles pistes de travail. On va leur refaire faire un parcours cet après-midi. Il y a un peu tous les niveaux, mais c'est ça qui est intéressant. Pour moi, j'aime bien aussi échanger avec des personnes que je vois jamais d'habitude. Ça leur ouvre un petit peu les possibilités. C'est une bonne initiative de faire venir du monde comme ça, qu'on découvre un peu notre univers. C'est bien, non? Elle est en forme, non? C'est juste un petit peu en fin, tu te fais un peu grignoter dans tes courbes, Elve. Et à la fin, tu te retrouves prêt. Je suis Ambra Paki et je viens de la part de CWD. J'ai trouvé ça hyper enrichissant, déjà de pouvoir partager une journée avec Bosti et son équipe. La séance de plat le matin, je pense, était bien pour préparer le saut l'après-midi. Et voilà, les commentaires étaient très intéressants. Ça me représentait bien avec ma jument. Ils ont dit des choses que j'avais déjà entendues sur moi. Donc voilà, j'étais assez contente. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'était bien monté, t'as bien monté. T'as fait tes 8 au double, t'avais pas trop le choix de manière. De temps en temps, tu es un peu hésitant et tu prends la longue. Hein. Ça, c'est de devoir un tout petit peu gérer d'un peu plus tôt tes distances, plus dans ton tournant. Pas te retrouver lancé comme ça avec de la vitesse. Hop, elle est longue. Donc moi, je m'appelle Nina Lécuyer, j'ai 14 ans. Je fais de la 130 et de la 135 avec Rigoletto LS. C'est une prise en expérience parce que c'est quand même Roger Yves Boss, un cavalier olympique. Il m'a beaucoup donné de conseils sur mes mains parce que j'ai beaucoup de problèmes avec le fait de tirer, de pousser, etc. Et ça m'a aidé aussi le parcours à voir plus mes places de loin et d'apprendre dans mes courbes à reprendre ou avancer dans les circonstances qui se présentent. Voilà. Voilà, doucement. Alors, je m'appelle Justine Jaouen, j'ai 27 ans. Je suis cavalière amateur et ostéopathe animalier. Et je suis venue aujourd'hui avec mon cheval Jasmin. On a été très très bien reçus par toute l'équipe du Hara, la Team Bosti et particulièrement par Horse Pilot. J'ai pu
avoir quelques clés à mon avis pour m'aider à progresser au quotidien et en concours avec un œil un peu différent ou un discours un peu différent de ce que je peux avoir avec mon coach au quotidien. Donc maintenant il n'y a plus qu'à travailler et puis aller faire du concours. Je recommande le stage des pilotes série, c'est vraiment une super expérience. Toute l'équipe est super top, avec les cavaliers tout s'est très bien passé. Donc voilà, et encore merci beaucoup à Horse Pilots.